Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui le lunchmat avant Mordechai ben Yitzhak, Befeni David ben Fortuna Mazal Fritna, Aaron, Richard Aaron ben Fortuna Mazal Fritna, Dvorah bat Esther et Moshe ben Yaakov Tarabakon. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la sacrement éternel. Nous étudions Maserhet, de votre père Ekyud, Mishnah Bet, Mishnah Yanasu, Ishtenashim, Bametu, Varkach Met Hu, Vitomim, Mevakshim, Ktubat Iman. Ven Sham el Ashtek Ktubot, Cholkin Meshavi. Aya Sham Motar Dinar. אלו נוטלין כתובת אימן, ואלו נוטלין כתובת אימן. אם אמרו יתומים, אנחנו מעלים על נכסי אבינו יותר דינר, כדי שיתלו כתובת אימן. אין שומין להן, אלא שומין את הנכסים בבית דין. ונדון כמשנה, ובא אפרופונדיר, מנתנו, לקונדישון, דלה, סכון אפל, לכתובת בנין דיכרין, כאן נבוקית על המשנה הפרסדות. Je répète rapidement le principe, très rapidement, בעזרת השם. יעקב, c'est marié avec deux femmes, une après l'autre. Il a commencé avec Rachel, et ensuite, quelques temps après, il s'est marié avec Léa. Rachel avait un petit peu d'argent de côté quand ils sont mariés, elle avait juste 200 000. Et puis après, il s'est marié avec Léa, qui est elle-même une femme très riche. Elle avait 1 million de shekels. Maintenant, quand la femme, elle se marie, elle met son argent à disposition du mari. Ça lui appartient le capital, lui appartient si c'est des Nirsen Milog. Ça dépend si c'est Nirsen Milog, Nirsen Sun Barzel, ça revient au même. On va parler par exemple des Milog, c'est plus facile. Elle a un potentiel, un capital, qu'elle met à disposition de son mari. Et tant qu'ils vivent ensemble, il tire, c'est lui qui en tire les dividendes, il en profite, jusqu'à que, s'il a divorce, il doit lui rendre. Et le jour où sa femme décède, alors le mari l'hérite. Ça devient la propriété du mari. Ok? Maintenant, on reprend. Rachel, elle a fait entrer 200 000. Et Rachel, elle a eu deux enfants avec Yaakov. Yosef et Binyamin, vous le connaissez? Et Léa, elle s'est mariée, quand elle s'est mariée, elle a eu aussi un seul garçon, on va dire même mieux, elle a eu un garçon et une fille. Elle a d'abord eu une fille, c'est elle la Bechora en fait, ça résoudra des problèmes, des petites questions, je vous expliquerai après rapidement. Donc elle a eu tout d'abord, premier enfant qui naît à Yaakov, c'est une fille, Dina, la fille de Léa. Après, un garçon qui naît à Léa, Réhouven, et deux garçons qui naissent à Rachel, Yosef et Binyamin. La vie continue. Si Chachamim n'était pas venu changer les règles du jeu, alors, si toutefois Rachel puis Léa vont décéder alors que Yaakov est encore en vie, chaque fois qu'un homme qui décède, le mari hérite des biens de la femme. Donc, de Rachel, il va hériter les 200 000. De Léa, il va hériter le million. Maintenant, Yaakov, maintenant, il a eu son capital qui a augmenté de 1 200 000. Ces deux femmes sont décédées. Et la vie continue, donc, il a hérité 1 200 000. Après, Yaakov, en théorie, lorsque Yaakov décède, alors il aurait fait prendre les biens d'Yaakov, que maintenant il a 1 200 000, les partager en trois parts, parce qu'il y a trois héritiers, il n'y a aucun Bechor, il n'y a aucun premier-né, parce que la Bechora c'est une fille, et la fille n'hérite pas s'il y a des garçons, et ça supprime le fait qu'il n'y ait plus de Bechor maintenant qui y arrive dans la maison d'Yaakov, parce que c'est une Bechora. De ce fait, maintenant, on aurait dû faire 400 000 chacun, 1 200 000 partagé 103, 400 000 chacun. Ok? Sauf que regardez, il y a quelque chose d'un peu injuste et moche qui s'est passé. Léa, elle est rentrée, elle a donné... Bon, c'est son mari qui a hérité son argent. Mais elle aurait quand même voulu que son argent, il reste la propriété de sa progéniture. Si c'est pas sa fille, au moins que ce soit son fils qui garde au moins ce million. Le donner à des enfants d'une étrangère, c'est pas, ça fait de la peine. Pire que ça. Les amis ont aussi voulu stimuler le père de Léa à donner une belle dot à sa fille. Ça fait du bien pour tout le monde, ça revalorise encore, ça donne plus de valeur à sa fille, et en plus de ça même, comme ça, Yaakov il va pouvoir fonder un bon foyer avec en besoin d'argent pour vivre, c'est important d'en avoir, pas pour le dépenser pour rien, mais pour avoir des investissements, avoir des... D'accord? Vivre avec. Donc pour stimuler un petit peu tout ça, Rami m'a instauré, tu sais quoi? On va instaurer une protection des biens que la femme peut rentrer, qu'ils resteront a priori dans la à disposition de la progéniture de cette femme-là et pas du autre. Ils ont sauraient qu'on écrit dans la Ktuva, que quand on écrit dans la Ktuva, il y a une phrase là-bas qui s'appelle Bedin Dichrin de la Avun Lchiminai, et non Nirtun Kesef Ktuvatir. Les enfants, garçons, Bedin Dichrin, Deli Havu, qui seront, les Chi qui seront pour toi, Minai de moi. Donc les garçons qu'on aura ensemble, Inun, Yirtun, Kesef, Ktuvatir, ce sont eux qui hériteront l'argent de la Ktuva que je m'engage à te payer ou à te rendre en cas de divorce ou de
Donc c'est eux qui hériteront cette part, en fait. Donc on a gagné là, que maintenant les enfants de Léa, ceux qui vont garder le million, donc en l'occurrence, Réhouven, il va garder ce million, les enfants de Rachel, ils vont le faire avec les 200 000. La Mishnah, maintenant, elle va venir me poser quelques petites conditions. Et alors là, il faut aussi expliquer un autre point important. Je le fais à l'oral, ça va être très rapide, après on va le voir dans les mots. Il faut... On a là, on a, quand, on a fait, quand on va faire maintenant ce partage, il s'avère qu'en fait, Yaakov décède, et l'argent qu'il laisse, il n'est pas partagé selon les règles que la Torah a imposées. La Torah elle a précisé que quand on partage, quand le père décède, que ses enfants partagent selon une procédure bien claire. Le Bechor, s'il y en a un premier-né garçon, il devra prendre une double part, et tous les autres frères, chacun prend une part. Ça veut dire s'ils sont quatre frères, on partage ça en cinq, et on donne deux parts au premier, parce que c'est lui le Bechor. En l'occurrence, s'ils sont trois, il faut... D'accord ? Maintenant, et s'il n'y a pas de Bechor, alors on fait un partage équitable entre les trois héritiers, les cinq héritiers. Ce qu'il y a, on a fait un partage équitable. Là, Chachamim, ils ont fait quelque chose de pas joli aussi. Ils sont venus donner quelque chose qui est, instaurer quelque chose qui est très utile et pratique, qui va stimuler plein de bonnes choses. Mais d'un autre côté, ils sont venus faire que il y a l'héritage qui est écrit dans la Torah, on ne l'hérite plus. Rami n'ont pas voulu faire ça. Et ils ont dit, tu sais quoi? On va instaurer cette règle-là du Ktuvat Benin Dichrin, la fameuse Ktuba, on laisse l'argent dans la propriété l'argent de la mère dans la propriété de ses enfants. On le fera que s'il y a, à part ça, en plus, un supplément conséquent à partager selon les règles de la Torah. Si un supplément pareil, alors on partagera le supplément selon les règles de la Torah, et après nous, on vient à Chachamim, et on met notre petit grain de sel, et on change les règles du jeu, on donne plus à l'un, d'accord? Il faut nécessairement, donc en fait, si je reviens, je reste sur l'exemple de Rachel et Léa, si Réhouven, si ensuite quand Yaakov décède, il reste précisément 1 200 000, alors là, on partagera plus selon la Ktuvat Benin Nichrin. Pour quelle raison? Parce que Rami n'a pas voulu annuler le partage selon la Torah. S'il y a 1 400 000 et que Yaakov il a donc laissé au moins 200 000 shekels à partager selon les règles de la Torah, alors là on dira, premièrement, les 200 000, partagez-les comme ça. Faites un tiers chacun, si un Bechor donne une double part, partagez-le. Maintenant, les 1 200 000 qui correspondent à l'argent que les femmes lui ont fait rentrer, là on pourra appliquer notre décret de faire la Ktuvat Benin Dichrin. Vous avez compris le principe? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah. Soit, s'il n'y a plus de supplément au-delà des 1 200 000, eh ben, on ne partage plus les 1 200 000 selon les mères, mais on fait un partage équitable entre les trois parties. Et si, toutefois, il y a un supplément à partager, alors dans ce cas-là, on pourra faire la Ktuvat Benin Dichrin, partager ça selon ce que chaque femme a fait rentrer, on leur donne, et puis après, pour le supplément qu'il reste, on le partagera selon les règles de la Torah, qu'on le partagera en trois de manière équitable, ou avec une part double pour le premier-né. Là, on va connaître maintenant les deux tiers de la Mishnah, après il y aura un cas de figure ensuite, on va le préciser après. Mishaya Nasu Shtenashim, un homme qui était marié avec deux femmes, Vametu, et ces deux femmes sont mortes. Et lui, il était encore vivant donc. Et seulement après, Vachankach Methu, et seulement après, lui aussi il est mort. Dans ce cas-là, Veitomim Akshim Ktuvat Imane, Veitomim Venis, bon, maintenant, donne-nous la Ktuvat de manière. Chacun vient, c'est-à-dire en fait, ils viennent réclamer maintenant à je sais pas qui, ils vont se réclamer entre eux en fait. Moi je veux la Ktuvah de ma mère. On a maintenant les trois héritiers qui sont là maintenant, deux fils de Rachel, un fils de Léa. Chacun lui dit, allez, donnez-moi la... Alors, il y a les enfants de Léa, ils disent, donnez-moi la Ktuvah de ma mère. Et quoi? Eh bien la Gemara, la Mishnah n'est pas d'accord, elle nous dit non. Il vient jamais l'acheter Ktuvot et il y a là-bas l'équivalent exact de deux Ktuvot et pas plus. C'est-à-dire, les deux Ktuvot, c'était 1 million plus 200 000, et il y a cet argent-là, il n'y a pas un rond en plus. Et bien, on partagera ça comment? Chokin Meshachon, on partagera tout, équitablement. Est-ce que Chachamim n'ont pas voulu imposer leur décret, si toutefois, il ne va plus y avoir d'héritage selon la Torah? Par contre, Ayasham Motar Dinar, s'il y avait là-bas un supplément de 1 dinar, je ne suis pas capable de donner une valeur exacte de cette... D'accord, c'est peut-être un billet de 100 shekels, 50 shekels, je ne sais pas exactement. D'accord, mais ce n'est pas beaucoup plus. Il y a maintenant un motard dinar, un supplément de 1 dinar. Alors là, c'est super. Parce que dans ce cas-là, Elo noten ktuvat iman, ve Elo noten ktuvat iman. On dira aux enfants que chacun de vous prenne la ktuvat de sa mère. Toi, fils de Léa, prends le million. Vous, fils de Rachel, prenez les 200 000. Maintenant, il reste 1 dinar à partager en 3. Et on le partagera équitablement. Elo noten ktuvat iman, ve Elo noten ktuvat iman. D'accord? Ils pourront prendre chacun la ktuvat de leur mère. Et donc, forcément, se partager équitablement le reste. Iman wayetomim. Maintenant, nouveau cas de figure.
qu'on n'a pas encore fait à l'oral, maintenant on va le voir dans les mots. Imamru et Tomim. Si les Tomim ont dit, Anachno ma'alim al nirse avinu yater dinar. Tu sais quoi? Nous on va te laisser. Anachno ma'alim, nous on va surévaluer al nirse avinu yater dinar sur les biens de notre père, un supplément d'un dinar. On va expliquer après de quoi ça parle exactement. Mais ça, ils le font au Kedeshilouk Toubatiman. Afin qu'ils puissent prendre la toile de leur mère, eh bien, en Shomin Lahen, on ne les écoutera pas. Et la Shamin est un Nechassim Bevedin. Il faudra l'évaluer les Nechassim au Bevedin. En fait, j'explique, c'est simple. On a dit, imaginez, donc, Léa, elle a laissé t'engager à payer 1 million. Rachel, ça l'a engagé à payer à ses enfants 200 000. Aujourd'hui, maintenant, Yaakov décède, il ne lui reste que 200 000. 1 million 200 000. On pourra pas faire un partage selon la Ktuvah de Banin Dichin, parce qu'il faut nécessairement qu'il reste un supplément de 1 dinar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant, quand ils étaient au Bedin, Réhouven, le fils de Rachel, a commencé à voir que les Dayanim, ils allaient trancher en sa défaveur, en donnant l'avantage, en fait, à l'autre frère de partager ça, aux autres frères de partager tout ça équitablement. Ce qu'il a voulu proposer, lui, les Réhouven, je jette l'idée d'abord pour en faire exactement dans le mot qu'on a fait. Il leur dit, vous savez quoi? Non, maintenant on va faire autre chose. On prend tous les biens là. Vous voyez, elle a les biens de ma mère. Ma femme, elle a laissé, je sais pas moi, 5 hectares de je sais pas quoi. Venez, on prend une petite parcelle là-bas. Ça, on fait le partage équitable selon la Torah de cette partie, de cette petite parcelle-là. Et le reste, on le partage selon la Torah de Vendichin. C'est-à-dire qu'en fait, Réhouven, il vient, il dit, écoutez, moi, ma mère, Yaakov, il s'est engagé à lui donner une Torah de 1 million. Venez, on va faire que les biens de ma mère, en fait, ils coûtent l'équivalent de 1 million et 5 000 shekels. D'accord? Comme ça, on va prendre maintenant les 5 000 shekels, on va les partager selon la règle de la Torah, en un tiers. Et puis moi, ce qui reste, la reste de la parcelle du terrain, d'accord, ça va en fait l'équivalent de 1 million moins 5 000, à peu près. Alors, ça, on va le partager selon la Torah de Benirin. C'est-à-dire, en fait, Yaakov, il vient, et Réhouven, il vient, il fait quelque chose d'astucieux. Il leur dit, vous savez quoi? Au lieu que maintenant, je laisse tout comme ça et que je vais perdre, au lieu de recevoir 1 million maintenant, je vais recevoir que 400 000 et vous allez tout prendre sur mon compte, moi je propose qu'on fasse autre chose. On va prendre une petite bande de ce terrain, je leur ai fait cadeau, on va le faire comme si c'est l'héritage de notre père. Et puis après, l'hectare qui reste, alors c'est vrai que ce ne sera plus 1 million, ce sera que 980 000, mais ce n'est pas grave. Il me reste au moins 980 000, plus encore quelques petites clopinettes du partage de la petite parcelle. Il aura plus à gagner en faisant comme ça. Mais en même temps, elle me dit, on ne pourra pas l'écouter. Parce qu'à partir du moment où quand le père il décède, parce que l'évaluation des biens pour partager au Bedin, pour partager les héritages, ça ne se passe que au Bedin. Et donc il faut les amener au Bedin, et quand on arrive au Bedin, c'est les Dayanim, ils devront évaluer selon ce qu'ils valent réellement, et selon ça décider ce qu'on appliquera l'héritage de la Torah. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.